Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles. J'aime beaucoup déjà. Pour que tes nuits soient douces. C'est beau, hein, c'est doux. Hein. C'est pas mal ça. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie, mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, pas que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au sol. J'y crois comme à l'enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés comme écrit à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent, et même si notre histoire se termine au matin, je te promets un moment de fièvre et de douceur. De ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Toi, t'étais sûr qu'ils allaient se retourner. Mais pas quatre, quand même. C'était chargé en émotion, là. À peine. Ouais. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Carla. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. On sentait que c'était important, là, pour toi. On sentait que c'était un combat. T'avais envie et il y a plein de gens qui viennent chanter des chansons, mais il n'y en a pas beaucoup, je trouve, qui y croient. Toi, tu croyais à ce que tu disais. T'étais à 100% dedans. Il y avait presque un truc... Du rap, parce que tu utilisais beaucoup tes mains et j'ai l'impression que tu pensais à chaque phrase que tu racontais. Il y a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose de vraiment super dans The Voice. Et je pense que tu peux devenir une grosse star de cette saison, à mon avis, vraiment. Ouais. Merci, merci. Écoute, je veux comprendre un petit peu, tu chantes souvent des reprises? Oui, enfin, vraiment les deux. Après, en grandissant, j'ai appris vraiment plus à écrire mes chansons. Alors, on est quand même dans une mécanique où... Il faut chanter des reprises. Et là, on a l'impression que tu as chanté une reprise et on a eu quand même une fenêtre sur ton propre univers. Avec une chanson qu'on connaît tous aussi bien que celle-là, c'est encore plus difficile. Ça prend beaucoup de courage pour le faire. Ça prend aussi un talent instinctif. J'ai l'impression que dans ta voix et dans ton choix de chanson, le « je te », tu pouvais te le dire à toi. Voilà, je me suis promis ça, je vis ça, j'aimerais... Bah, je l'ai un peu chanté pour moi aussi. Je chante pour m'exprimer. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai toujours voulu en faire mon métier, parce que j'ai jamais eu de plan B, en fait. Bon, bah écoute, en tout cas, c'est super. Moi, j'ai autant te dire que j'aimerais assez fouiller le fait que tu composes aussi. Donc ça peut être merci, super intéressant. Merci. Félicitations, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un grain de voix. C'est évidemment ce qu'on en fait. Et tu as l'air quand même d'avoir consacré déjà une grosse partie de ta vie à la musique, même si tu es toute jeune. Et pourtant, il y avait une grande naïveté dans ce que tu faisais. C'est ce qui était délicieux. Hein. Donc je te souhaite vraiment que tu sois mise en lumière à fond ici dans cette aventure et que cette lumière permette aux gens d'accéder à ce que tu fais et que ça soit bien. Voilà. Merci. Alors tu es face à 5 personnes qui écrivent leurs chansons. Voilà. Donc, C'est chaud, je sais pas. Il doit se dire que je dois me dépêcher là, mais vraiment, je...
Tout était hyper sincère, quoi, donc c'est hyper... Pardon, c'est horrible, mais en fait, c'est horrible, je sais pas. J'ai envie de choisir Nikos, comme ça. On parle de moi. Il sera un très bon coach. Énorme. Oh là là. Yes. Ah, voilà, voilà. Il suffit de m'appeler, je suis là. Hein. Bonsoir, comment ça va? Nikos, ça vient, gars. Ah ben, alors voilà, tu es coach maintenant. Qu'est-ce qui te préoccupe qu'on comprenne? En fait, j'ai envie de pouvoir faire le plus de scènes de The Voice, en fait. Donc, je suis en train de réfléchir avec qui... Non, c'est pas la question qu'il faut se poser. C'est pas la stratégie qui fait les carrières. C'est ce que tu vas donner avec courage dans les yeux de l'autre. Waouh. Ouais, bah, je... Nikos Aliagas. Il dit quoi, ton courage? Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très intéressant par rapport à l'envie de travailler sur mon interprétation. Mm-hmm. Donc, je pense que je vais partir avec Mika. Alors, vas-y, il est là, Mika. Regarde. Yes. Charlie, oh super. Honnêtement, salut. Charlie, merci beaucoup. Je suis ravi. Mika, coach de Carla. Merci Nikos. Allez, applaudissements pour Carla. Merci beaucoup.